Elle est une bobo parisienne. Je vais me la faire. Lui, un banlieusard qui travaille au McDo. Tout a commencé entre eux sur Facebook. Elle a le tempérament sanguin des filles du Maghreb. Lui, l'attitude nonchalante de l'Afrique. Et forcément des oursins dans le porte-monnaie. Je te conseille un truc super bon. C'est ça. Le menu hypo-éco. Amel et Noum, deux anciens du Jamel Comedy Club, remontent sur les planches en duo. Des blagues sur les différences de culture à l'intérieur du couple et le racisme entre communautés. Je te demande de choisir entre un os dans le nez ou dans la bouche. Mais c'est quoi le concept de la burqa? J'ai jamais compris. Coucou, devine c'est qui? Burqa. Avec Amel, je me suis dit, Amel, par exemple, si je te présentais mes parents, comment ils vont réagir? Je sais qu'ils seront un peu énervés parce qu'ils auraient voulu que je me marie avec une malienne comme moi. Et comme si toi, tu me présentes à tes parents, ils seront énervés parce qu'ils auraient voulu un maghrébin. La mise en scène est signée Fabrice Eboué et famille du Comedy Club oblige. On abuse des clichés pour leur tordre le cou. Un nouveau concept de street boulevard. Explication. On a appelé ça street boulevard parce que ça mélange effectivement le côté l'amant caché dans le placard et des gueules un peu plus bronzées, un peu plus minorité visible, voilà. Je lui ai fait forfait millenium, 20h, 8h du matin, bang. Téléphone, SMS, console de jeu et discothèque, toutes les situations d'un couple de Jones y sont disséquées. Identification garantie, écriture façon stand-up, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On a voulu aussi que tous les gens rigolent toutes les 10 secondes et boum, quand la scénette on a tout donné, on passe chez notre scénette et on donne un autre rythme encore. Alors, question au nouveau couple du théâtre du temple, votre pièce, c'est plus un gars, une fille ou la belle et le clochard? Le beau et la clocharde, moi, de mon avis. Voilà, un gars et une belle, voilà.